Merci Guillaume Faury, merci Olivier Andrés, merci Patrick Key de ce débat très intéressant. Nous enchaînons sur un sujet qui est clé, c'est celui de la supply chain. Et en sortie de crise, de cette crise Covid qui a quand même mis beaucoup de gens à terre, comment consolider la supply chain? Et donc j'ai le plaisir d'inviter Bertrand Lussereau, président de Sécamic, Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo, et Marwan Lahoud, président d'AS. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Bertrand Lussereau pour lui demander dans quel état est la supply chain à l'issue de cette crise mondiale. Merci, Max. La crise qu'on vient de vivre est assez exceptionnelle, effectivement. La supply chain ne va pas si mal que ça. On voit le départ, là. On voit le nouveau départ qui se profile. Donc on est optimiste, on est prêt, mais on est un petit peu faible. Et c'est vrai que cette crise Covid nous remet au centre de nos préoccupations. Il va falloir qu'on investisse énormément, d'abord pour la décarbonation, pour ramener nos usines si peu en France. Et ça va demander beaucoup d'investissements. Nous avons, pendant cette crise Covid, on a surtout consommé, on a bien consommé nos fonds propres. On a pris presque tous des PGE à mettre de côté pour le cas où, et personne n'a vu venir cette troisième vague Covid. Ça fait qu'aujourd'hui, nos PGE, on les a consommés, tout ou partie, ce qui pose le problème de comment et quand va-t-on rembourser. Sinon, on a besoin de consolider notre supply chain. Je disais que La PME moyenne en France de l'aéronautique, c'est 20 millions de chiffres d'affaires. C'est très peu, c'est trop peu. Au moment où ça repart, il faut consolider. Il ne faut pas avoir peur. Et pour ça, il faut être proche de nos PME. Nos PME, elles sont pas dans les grandes métropoles, comme on a pu le voir sur les grands groupes basés dans des grandes métropoles, mais elles sont bien sur tout le territoire français. Et ce qui fait qu'on a des chefs d'entreprise qui sont un peu seuls. Il faut les accompagner. Le GIFAS le fait, les régions le font également. Je pense que l'État a pris sa part dans le fonds de soutien à l'aéronautique également. Mais il faut les accompagner humainement également. Elles ont une vraie responsabilité humaine dans leur écosystème. Je pense qu'il faut être là, il faut être présent au moment où ça repart. Et il va falloir être très, très soudé. Mais on est prêt. Oh non. On est prêt, donc on voit donc problème de capital. Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo. Qu'est-ce que Tikeo et comment ça peut aider les supply chains? Tikeo, c'est une société d'investissement et de gestion d'actifs. On gère un peu moins de 30 milliards d'euros. On est 650 personnes dans 12 pays. Et notre métier, c'est d'apporter du capital stable, patient ou du financement à des entreprises, principalement de taille moyenne, dans tous les secteurs, mais avec un focus particulier sur l'aérospace. Donc, je laisserai Marwan en parler. Et notre observation, puisqu'on agit dans plusieurs secteurs, c'est que probablement la mondialisation a atteint un point d'inflexion avec la crise de la Covid, ce qui signifie pour les entreprises probablement moins de capacité à suroptimiser leurs coûts de production, à suroptimiser leur fiscalité, également des taux d'intérêt qui vont commencer à remonter, des taux de taxes sur les entreprises qui vont commencer également à remonter pour des raisons économiques mais aussi démographiques. Ça veut dire besoin de capitaux propres beaucoup plus élevés et probablement démarrage d'un nouveau cycle de dépenses d'investissement, de CAPEX, puisque certains secteurs, dont le secteur aérospace, vont aussi devoir faire leur transition énergétique au même moment. Donc besoin de renouveler des outils de production, besoin de rapatrier, besoin de consolider des coûts du travail qui vont probablement augmenter. Et donc ça veut dire besoin d'apport de capital stable et patient à cette filière comme à l'ensemble des secteurs de l'économie européenne. Marwan Lahoud,
Donc on voit ce dispositif qui a été mis en place. L'expérience au sein des filières aéronautiques, c'était Airbus, la connaissance de la supply chain, puisque je peux dire que quand vous avez présidé le GIFAS, le trésorier était Bertrand Lussereau, donc vous avez une bonne connaissance de cet écosystème. L'état de la supply chain, est-ce que vous pouvez en parler ? La supply chain aéronautique n'en est pas à sa première crise. Elle en a connu plusieurs. C'est sans doute celle qui a le plus duré et qui a été la plus universelle. Elle a touché le monde entier. Et donc, d'un seul coup, il y a un arrêt d'activité. Ce n'est pas le premier arrêt d'activité. Après septembre 2001, 3 mois sans avion en l'air. Mais on était au début, j'allais dire, d'une croissance, d'une perte de croissance invraisemblable. La supply chain aéronautique, elle sait tout faire. Je me rappelle du débat sur on est incapable de faire 30 Airbus à 320 par mois. Puis ensuite, on est incapable de faire 35. Puis on est incapable de faire 45. Puis on est incapable de faire 55. Et aujourd'hui, on parle de 75, 73. Donc, vous voyez, je sais qu'elle sait tout faire. Où sont les points faibles ? Les points faibles, c'est le capital. Au moment où vous venez de vivre 18 mois de disette, vous avez certes été aidé par l'État, vous avez été aidé avec le chômage partiel, vous avez été aidé avec le PGE. C'est vrai en France, c'est vrai dans tout l'écosystème européen, chez toutes les PME et ETI européennes qui contribuent à l'aérospace, il y a eu des mesures de même nature. Vous dépensez peu, vous êtes aidé, donc vos besoins sont faibles. D'un seul coup, on dit ça repart, donc on vous enlève les aides. Et en même temps, le donneur d'ordre dit il faut remonter. Le besoin de dépenses d'investissement dont Thomas parlait à l'instant augmente d'une manière très importante. Et votre bilan, lui, votre dette, etc., n'a pas beaucoup évolué. Elle s'est plutôt dégradée pendant la période. Donc, ce qu'il faut, c'est du capital patient et une équipe qui est capable de comprendre ce qui se passe dans la supply chain. C'est ce que nous essayons de faire chez Ace Capital. C'est filiale de Tikeo. Hein. J'ai ici mon actionnaire et mon principal souscripteur. Nous croyons au fait que nous n'apportons pas seulement du capital, nous apportons aussi du savoir-faire, de la compétence, de la compréhension. On est en fait un acteur à part entière de la filière aéronautique. La supply chain joue un rôle capital dans la réussite de cette mondialisation européenne et française. France, on a parfois le sentiment que la supply chain, c'est un village gaulois. Bertrand et Marouane, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette accusation ? Faut tordre le cou à ce canard. Je veux dire, village gaulois, non. Imaginez un instant, vous prenez un A380 ou prenons un avion plus moderne, prenez un A350, c'est combien de pièces ? C'est plusieurs dizaines de milliers de pièces qui sont fabriquées par des acteurs différents. Il n'y a pas une dizaine de milliers d'acteurs, mais il y a plusieurs centaines d'acteurs. Et tous ces gens-là arrivent à travailler tous ensemble. Alors vous allez me dire, oui, c'est gentil, ils travaillent tous ensemble, mais en termes de consolidation, nous n'avons pas vu de consolidation. Là aussi, il faut tordre le cou au canard. Dans la période 2013-2019, donc avant Covid, nous avons vu des consolidations. Je citerai Nexteam, qui est le regroupement de quelques usineurs dans la région de Marmande, qui étaient des tout petits usineurs, des petits garages. Aujourd'hui, c'est une ETI qui compte. Et je pourrais citer plein d'autres exemples. La différence, c'est qu'après Covid, il faut juste accélérer. Bertrand, tu es d'accord ? Oui, il faut non seulement accélérer, puis il faut rattraper le retard des 18 mois qui viennent de s'écouler, pour lesquels il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose. Alors oui, il faut tordre le cou au canard gaulois, il n'y a pas de canard gaulois. En revanche, la question, Max, elle est pertinente, parce qu'on a indirectement nos PME à 80% exportent, donc parce que nos Airbus sont exportés, mais qu'elles sont que 25% exportées directement.
Et ça, là, il faut encourager l'exportation. Parce qu'il n'y a pas qu'une supply chain, il y en a plusieurs. Et il n'est pas question que les Français, que les entreprises françaises, nos PME qui sont vraiment chacune d'entre elles un joyau un orfèvre, on dirait, dans la fabrication d'un avion, ne puissent pas être partie d'une supply chain, américaine notamment. Et ça, il faut l'encourager. Alors, il y a des mesures, il faut les encourager, il faut se... Les pouvoirs publics font de plus en plus pour ça, mais je pense qu'il y en a d'autres qui commencent à vraiment s'y jouer. Et ça a été donné d'ailleurs sous l'impulsion de Marwan, je m'en souviens, il y a quelques années. C'est le chasser en meute à l'allemande, et les grands groupes nous emmènent des PME à l'export. Et on voit que ça commence à porter ses fruits. Et je pense que c'est important pour le développement de nos PME. Mais ça va impliquer plus de CAPEX encore. Donc c'est un petit problème qu'il va falloir régler quand même. Alors Thomas, comment vous saisissez du problème à Tikehau ? Donc c'est ce fonds qui a été voulu par l'État, donc il y a une prise de conscience aux échelons hauts de notre société, ça c'est un bon point. Il y a des acteurs, est-ce que vous pouvez nous raconter ça et comment vous comptez opérer ? Alors chez Tikehau, on croit beaucoup au partenariat entre le financier et le non-financier. Donc on estime que le métier de la finance, c'est de financer l'économie, et en particulier l'économie réelle. Donc les partenariats avec des industriels, c'est quelque chose qu'on soigne particulièrement chez Tikehau. Et effectivement, dans ce secteur-là, l'idée était de... Enfin, partait du constat que les grands donneurs d'ordre, eux, ont accès par des émissions de dettes directement à la Banque Centrale Européenne qui les achète, ont accès via des financements bancaires à des packages extrêmement importants, délivrés dans des délais extrêmement rapides, parce que c'est des entreprises qui sont, on peut dire, systémiques, en tout cas qui représentent énormément d'enjeux financiers pour le gouvernement. En revanche, la supply chain, elle, c'est beaucoup de petites entreprises, souvent du capital familial, assez peu capitalisées, qui ont en général un client ou peu de clients et peu de produits, et qu'il faut consolider. Et je crois que là aussi, l'apport d'Ace Capital, c'est pas seulement du capital. Donc il faut voir aussi que c'est de l'apport d'expertise opérationnelle, de l'apport d'expertise sectorielle, et puis du réseau à l'international. La France n'est pas un cas isolé. Je crois qu'en Allemagne aussi, notre expérience, par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est que les ETI ont été jusqu'à il y a peu de temps relativement réfractaires, c'est le cas du Mittelstand allemand, à laisser rentrer des actionnaires minoritaires financiers à leur capital, et qu'aujourd'hui c'est en train de changer complètement, parce que justement cet apport de capital patient, stable, long terme, c'est aussi de l'apport d'expertise et de l'apport de réseau qui va permettre à ces entreprises-là de faire du business, mais aussi de trouver des cibles à acheter, et c'est ça que Ace Capital apporte aussi. La supply chain, donc on voit cette faiblesse capitalistique et que des moyens se mettent en place, donc il y a une prise de conscience, c'est très bien. Il y a également une faiblesse de la supply chain pour tout l'écosystème, c'est les problèmes de cybersécurité. Les grands groupes ont une cyberdéfense de très bon niveau. Mais les cas que l'on connaît, c'est que l'infiltration dans les systèmes, ça passe par la supply chain. Comment faire que ces acteurs, dont l'excellence est souvent liée avec cette petite taille très humaine, soient protégés d'une menace qui se répand de plus en plus, qui se mondialise? Et on sait que le pillage industriel, l'espionnage industriel, c'est une véritable menace. Alors comment faire? Et là, je me tourne tout d'abord vers Bertrand, et puis après Tikehau à ça. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette cybercriminalité et menaces, mais en fait, je pense qu'on a dû prendre... Moi, je ne vois pas de cas autour de moi en PME qui ont été agressés ou qui ont été pillés. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, ce qui existe, en revanche, ce sont toujours c'est presque devenu classique, hein, ces arnaques au président et choses comme ça, on en a tous les jours. Mais rentrer dans nos systèmes, c'est rare. Je pense qu'il existe déjà des mises en place, par exemple dans Air Supply, il y a déjà... Le maillon faible, c'est la PME, hein, parce que les cyberattaques, elles passeront toujours par le maillon faible, et on sait que c'est nous. Maintenant... Il existe donc des tas de niveaux de sécurité dans Air Supply, par exemple. Il existe des sécurités dans nos entreprises également. Je pense qu'on est assez, on est assez informé de ce qui se passe. Moi, c'est une menace
que je n'ai pas encore vu, se concrétiser dans nos PME. Au niveau des grands groupes, c'est complètement différent, je pense, parce que la recherche et le développement, elle est peut-être là, et c'est là que ça intéresse peut-être les puissances étrangères. Et là, je pense que Marwan est plus à même que moi à vous répondre. Je me tourne vers Marwan. Il faut attendre que la menace se réalise pour qu'on la prenne en compte. Non. C'est pas du tout ce que disait Bertrand. Les cyberagresseurs, ils ont plusieurs motivations. Il y a la motivation criminelle. Quand vous avez ce qu'on appelle un ransomware, où je vous bloque vos systèmes et je ne les débloque que si vous me payez en Bitcoin d'ailleurs ou en crypto-monnaie, ça c'est du cybercrime. Vous avez aussi de la cyberagression à des fins d'espionnage. C'est deux choses qui sont complètement différentes, en tout cas dont le traitement est de nature complètement différente. Le cyberespionnage est développé dans la filière aéronautique depuis très longtemps. Et ce qui intéresse les cyberespions, c'est une technologie donnée, un programme donné, donc une planification dans le temps, des données économiques. Et pour traiter ces questions de cyberespionnage, il faut regarder la filière dans son ensemble. Il ne faut pas regarder entreprise par entreprise. Tout le monde est connecté. Et c'est heureux, parce que le fait que ce soit connecté, ça améliore l'efficacité de l'ensemble. Mais quand vous connectez tout le monde, vous augmentez la vulnérabilité de tout le monde. Et donc l'approche, Bertrand y a fait rapidement allusion, c'est déconner, brancher sur des systèmes qui amènent vers les maîtres d'œuvre. C'est une responsabilité collective du maître d'œuvre et de son sous-traitant de s'assurer que toutes les bouts, toutes les entrées sont étanches. Je n'ai pas encore vu, en ce qui me concerne, de situation grave de cybercriminalité, mais c'est en train de se développer. Et donc, au-delà du cyberespionnage, il faut aussi s'assurer que, d'un seul coup, quelqu'un qui bloquerait toute la chaîne de production d'un sous-traitant, même une PME de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui produit une pièce critique, il est capable de bloquer l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, jusqu'à la production des avions. On se souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, de portes de toilettes qui ont empêché la livraison d'avions. Donc il suffit de bloquer quelque chose de très précis. Et pour ça, il y a un travail collectif à la fois des maîtres d'œuvre, des PME et de la filière dans son ensemble pour s'assurer que le cyber-risque est protégé. Alors c'est un hasard, pas tout à fait un hasard, chez Tikeo, chez Ace Capital, nous avons à côté du fonds aéronautique un fonds qui investit dans les sociétés de cybersécurité. Les sociétés de cybersécurité n'ont pas l'extension, n'ont pas l'importance des sociétés aéronautiques puisque c'est un sujet naissant, mais il est très important de disposer en Europe, de disposer en France de moyens de défense également. On peut coopérer sereinement si on est un peu souverain. Un peu d'autonomie aide la coopération. Alors pour le mot de la fin, je vais me retourner vers Bertrand. Il y a le GIFAS qui joue un rôle clé. Comment il l'accompagne sur tous ces points, même si tu n'es pas, ce n'est plus aussi actif dans le GIFAS. Alors, je repose différemment la question. Comment toute la filière aéronautique se mobilise pour apporter des réponses efficaces? Alors, je vais parler vis-à-vis des PME surtout. Je pense qu'il y a depuis de nombreuses années des programmes qui sont mis en place, qui ont été mis en place par le GIFAS. Je pense à des programmes comme Ambition PME-ETI qui ont été des programmes extrêmement positifs pour les entreprises, qui les ont amenés à définir un plan stratégique. Je pense que ça a beaucoup aidé dans les premières consolidations qui ont eu lieu dans la phase avant Covid, dont parlait Marwan tout à l'heure. Il y en a eu plus d'une, hein. Il y en a eu peut-être une petite dizaine. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a des outils comme cela qui ont existé. Je pense que GIFAS est très présent également dans les aides sectorielles, dans les aides de l'État à faire le lien entre les aides de l'État et les aides qu'on peut obtenir en région. Aide également à nous réunir, à travailler ensemble à des solutions de consolidation de la supply chain. Donc GIFAS est très présent dans toutes ces méthodologies et dans toutes ces actions.
Merci, merci Bertrand Lussereau, merci Thomas Faute-Berger, merci Marwan Laoud. Je pense que c'est un sujet important dont on va continuer à parler au Paris Air Forum. Et nous allons suivre comment réconcilier le train et l'avion. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG de la SNCF, Augustin de Romanet, qui est le PDG d'ADP, André Gaille, directrice générale d'Air France, et Florent Ménégaud, président du groupe Michelin. Merci Max.